Hello mes BF, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on va continuer notre série avec les smoothies. Je vous présente le smoothie à la mangue. La mangue est un fruit tropical originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. Ce fruit est riche en vitamine B9 et en vitamine C. Vous comprendrez bien que ce fruit présente donc plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, elle prévient de la déshydratation car elle comporte 83% d'eau. Elle va aider dans la perte de poids avec son pouvoir antioxydant. Elle va nous permettre également de prendre soin de notre foie. Et enfin, elle va permettre de favoriser le transit. Voilà, on passe à la recette. Alors, mes BF, en termes d'ingrédients, nous aurons besoin de peau de yaourt. Moi, ici, j'ai pris des peaux de yaourt aux fruits. Nous aurons besoin de miel, nous aurons besoin de citron et nous aurons besoin d'une mangue bien mûre. Vous allez remarquer avec moi ici que je ne rajoute pas du sucre. Donc, libre à vous si vous voulez rajouter du sucre. Donc, dans un premier temps, nous allons éplucher notre mangue. C'est la base. Donc, avant d'éplucher, bien évidemment, vous lavez votre mangue. Mais bien, vous avez remarqué ici que pour ce smoothie, moi, j'ai utilisé les de yaourt. Hier, nous avons utilisé du lait. Comme je disais en introduction hier, il faut savoir que le smoothie, en fait, vous pouvez utiliser plusieurs produits. Vous pouvez utiliser du lait, vous pouvez utiliser des yaourts, vous pouvez utiliser de la glace. Bref, libre à vous. Donc, une fois que nous avons découpé, nous avons épluché, pardon, nos mangues, nous allons les découper pour faciliter, en fait, le mixage en fait de notre mangue. Vous avez remarqué aussi que lorsque je pelais la mangue, il y avait beaucoup d'eau. Ça rejoint à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La mangue est vraiment très riche en eau, 83%. Donc ça vous permet de vous déshydrater. N'hésitez pas vraiment à la consommer aussi de manière nature en fruits. C'est aussi bien pour notre peau. Alors mes BF, on va ajouter pour mixer l'ensemble de nos éléments, à savoir le citron et le miel. À ce stade ici, si vous voulez rajouter du sucre, rajoutez du sucre, il n'y a pas de souci. Donc une fois que nous allons faire tout ça, nous allons mixer nos éléments. Voilà à quoi ressemble en fait notre smoothie à la mangue. Mais BF, vous pouvez consommer ce smoothie de manière nature comme là. Là, c'est déjà prêt. Je vous assure, c'est très bon au réveil, au courant de la journée. C'est comme vous voulez, c'est vraiment très bien. Vous pouvez boire nature ou vous pouvez également rajouter quelques fruits séchés. Vous voyez là comme je le fais, vous rajoutez de la banane. Donc, soit nature, soit vous pouvez décorer comme je le fais là. N'hésitez vraiment pas, c'est riche en vitamines C et B9. Voilà mes BF, à très vite.